J'ai envie d'aller sur Grunbrench, putain! Oui, bah on ira pas tant qu'ils seront pas là. Bah ouais, mais les surveillants qui font... Voilà, quoi. Et du coup, Apex, toujours pas de nouvelles, quoi. Franchement, file-moi son téléphone, on va l'appeler en live. Mais sinon, il y a pas des... Non, j'allais dire une grosse bêtise. Non, des viewers, il est ouais, fou. Je suis totalement là. Partir avec des viewers. Non, mais autant brûler la bite avec un Silex, quoi. Ouais. Ouais, c'est... Pour allumer un feu avec un Silex, c'est pas aisé, hein. Ouais, non, mais je... Ouais. Alors, c'est étincelle par étincelle que tu te fous de la bise. Ça met beaucoup de temps. Your best teammate. Remember it. Qu'est-ce que tu veux faire, dis-moi. Moi, je suis partant pour tout. Hein. Putain, mais t'es comme ta mère, toi. Elle m'a dit pareil hier soir. Moi, je suis partant pour tout. Dans le cul, dans le nez, dans l'oreille. Laisse-toi, fais-toi plus dur. Bien sûr. 6-4, 6-4, oui. Petite parenthèse. J'ai été sur. Désolé si je suis allé. Voilà, j'ai été allé. Je suis allé. Je suis allé. Ouais, voilà. Je suis allé niquer ta mère. Et c'est vrai que c'était vachement bien. Non, j'ai été sur Zero Hour. Ce sont les mêmes mecs que je crois qui font Grunbrench. En tout cas, ils se follow sur Twitter, les deux. Zero Hour. Ah oui, donc c'est les mêmes. Bah si, ils se follow entre eux, c'est mais que c'est les mêmes personnes. Rare. Mais c'est très rare. Non, mais c'est peut-être. En tout cas, c'est des individus complémentaires. Oui. Et je me suis dit que tu aimerais le jeu qui est extrêmement difficile. Et je pense que tu vas le kiffer. Oh, bah c'est possible. Non, mais le jeu est vraiment bon. Il y a un système de règles d'engagement, en fait. Tu as des pénalités. Comme soit. Quand, ouais, voilà. Si le mec te tire pas, ou alors s'il est de dos à toi et que tu arrives dans le dos et tu ne vas pas lui mettre une tête. Enfin, tu peux, mais tu vas perdre des points. Et le jeu est vraiment exigeant. Hein. Vraiment. Et j'ai mis je sais pas combien de temps pour terminer en hardcore la première mission. J'ai galéré. J'ai du temps. Sérieusement, attends, parce que j'ai regardé. Je vais regarder. Enfin, les armes, les bruits des armes sont vraiment flingués, quoi. C'est vraiment... J'ai l'impression de repartir dans les années 90, quoi, tu vois. Tu sais, avec les silencieux qui font piou-piou, quoi, tu vois. Bon, tu te le prends pas, là. Bah, attends, déjà, franchement, ok. Ça a l'air tentable, je le tenterai. Mais avant, là, j'ai aucune raison de le faire jusqu'à ce que Ground Branch, je l'ai pas lessivé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ok, d'accord. Oh non, j'aime pas, moi, tu sais, switcher d'un jeu à un autre, revenir sur un autre et tout. À la limite, si tu veux, on se le fait, ouais. Ground Branch, on le lessive ensemble dans la même logique qu'on a fait par le passé, quoi. Donc au moins un 3, 4. Et après, ouais, pourquoi pas, quoi. Mais ça m'a l'air quand même d'être un tout petit peu de la simulation pour les nuls, quand même. Mais par rapport à Grunbrench, pour le coup, c'est encore plus hardcore, quoi. Les mecs tirent plus vite, plus machin. Il est plus dur. Je trouve qu'il est plus dur que Grunbrench. What? Après, Grunbrench, ça t'a dit... Tu te rends compte du nombre de fois où on a dû enchaîner l'émission, là, et qu'on ne l'a toujours pas terminé? Et moi, je l'ai testé en solo. C'est peut-être pour ça que c'est beaucoup plus dur. Mais... Ou c'est peut-être parce que. Enfin, il y a la possibilité aussi où t'es nul, que tu sois nul à chier dans ce genre de jeu là. C'est possible. Enfin. Ouais, ok, super. Je te mets au défi, vraiment, ce soir ou quand tu auras le temps d'y jouer en off, de tester la première mission en hardcore et de la terminer. Avec au moins un score de 80, c'est mon record. Attends, je fais la première mission en quoi? En hardcore. Première mission en hardcore, il faut que tu la finisses avec un score de 80, minimum, vu que c'est mon record. En hardcore. T'es sur le live, fils de p***. Ouais, je viens d'y arriver. En hardcore. Putain, la vache, t'as un problème avec les dangereux dans ce moment ou quoi? Non, mais ça m'énerve. T'as les dangereux? Ça fait combien de temps que t'es pas allé chez le dentiste? Je sais pas, un an. Ah ouais, bah une fois par an, quoi. Oui, bah oui. Un petit détartrage. Enfin, je sais pas, il met sa bite dans la bouche et je laisse faire. Non, ça c'est l'église à côté, ça a rien à voir. Ah merde. Ouais, non. Le dentiste. Ça doit faire longtemps alors. Qu'est-ce que tu penses des gens qui t'insultent sur ton physique, par exemple? Qui te disent que tu es moche ou que tu as un gros nez ou que tu ressembles à un chabat? Personne me le dit, mec. Que t'as vraiment les joues qui commencent à tomber, on dirait un bulldog anglais. Ouais, non, ça c'est... Non, ça risque pas, ça, en fait. Non, moi, on me dit que je suis beau. Hein. Toi, je peux comprendre qu'on se moque de ta gueule parce que, bon, bah, dès l'âge de 20 ans, t'en avais 38. Arrête, ne sois pas... Mais... Pourquoi t'es agressif avec moi? Moi, je ne fais que te demander si les phrases de tes viewers, pour lesquelles que je vois souvent sur ton chat, est-ce que ça t'atteint, c'est tout. C'est tout. Toutes les phrases qui te rabaissent dans ta condition de physique parce qu'ils te le rappellent que tu n'es pas quelqu'un de très physiquement agréable. Disons qu'on ne vient pas sur ton stream pour la caméra. Je pense que tu fais comme on appelle une décalcomanie de ta propre personne parce que je ne rencontre pas ce problème. Moi, les gens sur mon live, c'est BG, comment il va le plus beau? Oh, t'es trop beau. Aura qui me rappelle à peu près 75 fois par live à quel point je suis beau. Elle veut te pécho. Il y a des raisons à ça parce que je suis beau, tu vois. Non, je pense que tu lui
lui rappelle un peu une figure, la facilité, tu vois, je pense. Ouais, d'accord. L'accessibilité. Alors que toi, l'accessibilité. T'as quand même une gueule de mec buriné. Et pour toi, ça doit être difficile. Tu vois, toi, ça doit. Toi, tu dois souffrir. Mais c'est pas grave, ça va aller. Laisse-toi aller. Buriné, il était parfait. T'as quand même une gueule burinée. D'où ça vient ce truc? Oh, la gueule burinée, ça passe bien. Ah non, 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 les bots, tu rigoles pas. C'est, franchement, c'est l'un des jeux les plus durs et difficiles que j'ai jamais vu, honnêtement. Ça me rappelle le premier 6 pour le coup. Moi, je l'ai pas je eu. Je pense pas, je pense pas. Il y a un mec tout au fond. Là, c'est pour nous, ça, les gars. C'est pour moi, c'est pour moi. Deux traités. Tu l'as eu, lui? Pas dire, il est pas derrière les armes. Non, il est mort. Il est mort. Il y en a un autre qui m'a tiré dessus après. Hein. Je pense traiter. À ma gauche, contact à gauche. Okay. Je vais die. Je suis mort. Descends. Derrière, c'est derrière en fait. Tu es dans mon vestiaire, Mary. Mais dégage. Ok, j'ai du monde dans le subway avec moi. J'ai du contact sur moi, c'est mort. J'en ai tué 6 là, une 6ème. Ah ouais. Oh, les bruits sont trop beaux. Les bruits des armes de loin, je sais pas ce que vous en pensez, mais le son des armes de loin est vraiment hyper efficace. Ça donne quoi de votre côté? Clear pour ça, moi. Ça va pour le moment. On est clear pas mal sur la place. Oh shit! Oh shit! Mary, t'es là? Et c'est la définition de ce qu'on appelle un timing. Oh là 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 là, ce qui vient de me coller. J'ouvre à droite. Okay. J'ouvre à gauche, je suis à ta droite. Un mort. Je reload. Serre un peu à gauche, fais gaffe. Traité. Traité à gauche. Fais gaffe, vous me faites dessus. Je sais pas tout de suite celle-ci, je sais pas. Ouais, c'est parce que j'ouvre à ta droite en fait et j'ai un angle un peu plus important. J'ai grenade au fond. Moi aussi. Je vais avoir une deuxième. Vas-y. Hein. Ok, on va ouvrir le à gauche, on va ouvrir la porte. Sorry, collé. Grenade rebond droite. Je me fais pas chier. Vas-y, garde la ligne, garde la paix. Ah mort. Bonjour, télécontrôleur. Le TER 8011-8683 est annoncé avec un retard de 35 minutes. C'est bon sur les cibles. Là, il y en a à gauche et tout. Prends le plus à droite dans le couloir à gauche. What? Wana, je fais de la merde, ça m'énerve. Vas-y, qui clutche pas là, je vais le kick. Ça, faudrait que je lui mette un truc. Y'a quoi? Kill Apex. Vous êtes prêts? Regardez, il va mourir. Ouais. Regardez. Regarde, on dit rien. À la fin de l'intel, Attends. Bruh. Oh non. Il s'est passé quoi? C'est mort, Apex? What? Ouais. Bon, je suis mort. Mais il s'est passé quoi? Je sais pas, j'étais en train de faire d'interagir avec on est en train de te voir et puis t'es mort d'un coup. Bah, t'es tombé comme une merde. T'as fait un truc, t'as appuyé sur le mauvais bouton? Non, que dalle. J'ai juste fait F, j'étais en train de télécharger, je suis tombé. Non, je pense que tu t'es fait tirer dessus. Il y avait un mec caché quelque peut-être, part, je pense. Par la fenêtre, mais. Ouais, par dehors, je pense. Même pas entendu de bruit ou quoi. Non plus, bizarre, je sais pas. Ou une mauvaise clé USB, un truc comme ça. Mais ouais. Ah, Roger, j'ai dû aller chercher un colis Amazon. Ouais, ça va. Allez là. Attendez, on va le faire à Mary. On va le faire à Mary, il est pas là. Ouais. Attendez, ouais. Je prends que Mary, ne le dis pas. Je fais mourir Mary dès le début. Let's go, Subway. Dès le début, je le fais mourir, vas-y. Je vais faire mourir Mary dès le début. Bouge pas, j'aime pas. Ok. Et voilà. Mary? Il s'est passé quoi? Mais. Ouais, t'es là? Bah oui, tu es là. What? Mais on t'entend. Et. T'es mort?
Là, il a rien compris. Ah bah c'est passé quoi. Ouais, jusqu'il autrement il va gueuler. Mais. Mais. Vous êtes mais là? C'est quoi cette merde? Je relance, j'ai un bug, je relance. Pourquoi ça mort, t'a fait quoi? Je sais pas, ça m'a bloqué, je pouvais plus changer de viseur, après je suis mort d'un coup, j'ai pas compris. Ouais, non bah, reboot le jeu, je suis les mort amis. D'un coup. Reboot le jeu. On est d'accord, on est tous morts comme ça, sans raison, sans raison comme ça. Ah ouais, non, c'est clair. Je sais pas. Ouais, moi aussi je suis mort. Pourtant j'avais clear, enfin je voyais, il y avait personne. Pour le round d'avant, c'est chelou là. Mais il y avait rien marqué sur l'ordinateur, on aurait dit que c'était l'interaction avec l'ordinateur qui faisait que... T'as dû prendre une tête et le mec était loin et du coup silencieux, un truc comme ça. Eh, cette petite commande de l'admin là, pour qui j'ai envie de, au moment où je veux. j'ai un bug. j'ai un bug. Mais t'avais pas de bug, je t'ai tué à distance, trou de balle. Ah. T'es avec moi là, c'est bon, Jumper. Je suis derrière toi. Jumper, t'es là? Oh non. C'est qui ce con? Oui, c'est moi, Dieu. Je peux te tuer quand je veux, fils de p***. Je te vois, je clique sur ta tête et je te bute, enculé. Et regarde. C'est bien quand les games tu trouves qu'elles vont trop longtemps, tu sais, quand t'attends trop longtemps, tu fais un petit. Bon, allez. Mais ça me rappelle tellement. Oh, t'es mort. Ah, t'as pas vu le sniper derrière toi? Oh merde. Ça me rappelle tellement Matrix 1, tu sais, regarde Apex. Pour moi, Apex, ce n'est qu'un. Ce n'est qu'un fil à débrancher. Alors que pour toi. C'est tellement ça. Allez, par contre, arrêtez. Ah non, faut vraiment arrêter. Allez, let's go. Ouais. Non, mais franchement, qu'ils aient mis une update qui nous permet de reproduire la pandémie. Hein, voilà, je trouve ça absolument exceptionnel. Il en meurt d'envie. Oh non. Est-ce que t'as vu Mary? Ouais, j'ai vu. il est en panique. Regarde-le. Apex, regarde-moi cette putain de victime. Qu'est-ce qui se passe? Ça doit venir de là-bas. Il est en train. Après, je pense que si Mary monte sa tête, il va tirer, hein, du coup. Oh non. Il l'a buté. Oh, il a one tap. Ah, le bâtard, c'est pas sympa. Ouais, j'en suis sûr, celui qui m'a tiré dessus. Ouais, c'est lui. C'est pas très sympa, ça, dit donc, Mary. Ouais, mais bon, j'avais plus de balles. Fallait que j'aille la dernière.